Bonjour les filles, donc je continue le haul. Normalement, vous avez déjà eu une vidéo sur le haul Action. Alors aujourd'hui, nous sommes partis aux Actions de Sevran Bedok qui se trouve dans le 93. Et regardez qu'est-ce qu'on a trouvé. Je suis trop contente depuis le temps qu'on voulait. Tantan! C'est la peluche licorne pour 7,95 €. C'était la promo de la semaine, du mercredi au mercredi. Et franchement, c'était le dernier, donc là, Clara, on va le laver. Ah ouais, Clara. Et après, elle pourra le mettre sur son lit. Par contre, je sais pas si vous avez d'autres. Il y avait d'autres animaux, un marron et un noir. Bon, bref, mais c'était la licorne la plus jolie. Et franchement, elle est immense. Regardez, c'est pas un tout petit truc. Moi, je pensais que c'était un petit truc, mais non. Tiens, Clara, hop. Donc il est à 7,95 €, franchement nickel. Pour 3,49 €, on a pris ces petits trains. Voilà, donc j'ai pris ça pour Maëlys parce qu'en ce moment elle aime trop les petits trains. Et on est parti chez Truffaut dimanche dernier. Et elle a beaucoup aimé la décoration de Noël. Donc pour Maëlys, on va essayer de lui faire une très très belle décoration cette année. Voilà, donc si vous avez un Truffaut, partez chez Truffaut. Ils ont fait une décoration de dingue avec toutes ces lumières et tout. C'était magnifique. Encore acheté ça, parce qu'avec Mademoiselle Clara, on le termine super vite. Il est à 2,05 €. Je ne vous ai pas montré ça de plus près d'un fois. Voilà. Ensuite, pour 1,95 €, on a fait ça pour le petit déj. Ça fait un temps qu'on n'avait pas mangé ça. Ensuite, pour 2,25 €, on a trouvé ce chocolat. Style, enfin, dedans, il y a du brownie. Ça fait un peu cher, mais c'est un 290 grammes. Il est assez épais, le chocolat. Donc, quand vous avez des invités, c'est bien. Ensuite, Gabriel et Clara, ils ont acheté ça pour 1,95 €. C'est les boules de Noël. Je vous montre ça. Et eux, ils ont pris le nounours. Regardez. C'est trop mignon. 1,95 €. Voilà, je vais les petites biches. Ils ont acheté ça aussi. Et j'ai trouvé le charbon. Masque de charbon pour 1,95 €. En fait, la boule, elle était à 1,69 €. Je me suis gourée. Et ça, c'est 1,95 €. Donc, c'est ce masque que Tata a testé. Donc, je vais le tester que sur mon nez, le front et le menton pour voir. Et puis, voilà. Et un paquet d'M&M's pour 2,29 €. Voilà pour le haut Action. Ensuite, je suis partie chez Coton. J'ai acheté un pantalon tout simple. Simple moi. Par contre, il faut que je refasse retouche des pieds, tout ça c'est grand. Donc je vais couper tout ça. Gabi s'est acheté un petit short. Voilà. Donc le t-shirt plus le pantalon, on en a eu pour 24,90 €. Voilà, puis il y avait des promos chez Coton. Et Funzo, j'ai pas acheté les mouglou parce que j'ai une de mes abonnées m'a dit que qu'il y avait un magasin dans le 93 et il était à 1 €, donc on verra ça. Alors Gabi s'est acheté ça. Gabi, oui. Il t'a combien? 4,80 €. Oh, ça va quand tu auras plus. Donc c'est un petit khra, comme dirait les pays du Maghreb. Donc ça c'est Clara qui a acheté. Elle a payé combien? 1,80 €. Oui, mes enfants font leur achat eux aussi. Elle s'est acheté ce paquet de gâteaux pour 2,40 €. Par contre, elle s'est fait arnaquer. Hein. J'avais pas vu le prix quand elle a acheté ça, mais. Puis elle s'est acheté ça. Toujours les bonbons Nerds. Ils aiment bien ça. Ensuite, j'ai regardé les tartelettes promo de la semaine. Alors. J'ai pris orange épicé, ils étaient à 1,90 €. Donc Funzo, comme je l'ai dit la dernière fois, vous avez les promos dans le mois. Vous avez 4 odeurs différentes.
Normalement deux. Gabi, s'il vous plaît, le bruit. Je suis en train de filmer, les abonnés vont crier après. Celui-là, c'est crumble rhubarbe. Voilà, et là, celui-ci, j'ai jamais senti ces douceurs du foyer. Et ça sent super bon. Voilà, donc les trois, c'est en promo, sauf celui-ci. Celui-ci, c'est feu de bois crépitant. Voilà, il sent très très bon. Ça sent vraiment l'automne, l'hiver. Ça, il est plus épicé. Ah, ça sent bon. Ça, c'est très gourmand. Ça, c'est très orangé. Voilà pour ça. Et tout à l'heure, j'ai reçu un colis de chez Amazon. Je pense que c'est un produit que j'ai reçu via un partenariat. Donc, on va l'ouvrir ensemble. J'avais reçu le message me disant que j'allais recevoir un colis. Et je crois bien que c'est des lumières, enfin, un set de lumières pour le Noël. Donc il m'a mis dans un petit paquet ce que je enregistre. Donc là je vais l'ouvrir. Il faut que je le teste. On va le tester ensemble. Je ne sais pas si on met des piles ou quoi. Alors. Juste pour info, nous sommes en vacances là. Donc, c'est pour ça les enfants sont à la maison. Donc, là, je sais pas si on voit bien, on voit une maison avec la lumière. Donc ça se présente comme ceci. Et là, c'est le projecteur. Donc, ah oui, il faut que je regarde. Ah oui. J'avais un peu regardé sur Amazon. Et là, regardez. Ah oui. Alors, donc ça. Je sais pas si on va voir les petits trucs là. C'est pour. Attends. Ouais. Je sais pas si on voit. Il y a le sapin de Noël. Les cloches. Ça, c'est pour Halloween. Voilà. Ça aussi, c'est pour Noël. J'ai des étoiles, une lune, un chat noir. Donc là, il faut que je regarde sur le descriptif. Moi, ouais, c'est un prix, c'est pas à pile, donc ça va. Il faut que je fasse le test sur un fond blanc, peut-être. Là, vous avez la télécommande. Je sais pas comment je vais le tester, donc on va le tester et je reviens plus tard pour vous montrer la démo. Ouais, c'est trop beau noir. Pousse-toi, Maïlis. Waouh. Maïlis, t'es pas de mal. Ah non, pas toi, Clara. Miaou. Chat, le chat. Bon, les enfants, ils adorent, hein. Surtout Maïlis. Si, elle adore Maïlis. Wow. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Vive le vent, vive le vent, vive le vent. Spider. Passez un bon Halloween. Wow. C'est des petits cœurs.
C'est trop mignon. Ah, c'est à Saint-Valentin maintenant. Ouais. Joyeux Saint-Valentin. Inès, jingle bell, jingle bell. Ah, Maëlys, veut pas ça. Elle veut pas ça. Elle veut un autre de ton ventre. Elle veut un autre. Alors, pour clôturer ce produit, Maëlys adore. Franchement, ça va faire 2-3 jours maintenant. Enfin, 2-3 soirs qu'elle me le réclame pour que je puisse le montrer. Donc, c'est un bon produit. Par contre, le prix, il est un peu cher. On peut trouver moins cher normalement. Mais sinon, très bon produit avec la télécommande. Il est au top. Donc, Gabriel s'est acheté 2 livres chez Carrefour. Prix à l'unité 10,95 €. Donc celui-ci, c'est l'élève du Cobu. Voilà. Et celui-ci, c'est toujours du Cobu. Et j'ai acheté un livre pour Clara. C'est les livres J'aime lire, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Tom Tom et Nana. Donc il était à 4,95 €. Il était dans la librairie de Carrefour. Donc moi, quand j'étais jeune, j'aimais trop Tom Tom et Nana. Donc voilà, la dernière fois, vous vous souvenez, je vous avais montré une box Pandore ou Pandora, je ne sais plus. La box revenait à 29,95 € et je pense que ça vaut le coup d'acheter cette box. Car ce mois-ci, j'ai acheté pas mal de BD pour les enfants. Du coup, ça me revient au prix d'une box. Donc je ne sais pas si je vais m'inscrire à cette box. Je pense qu'elle est bien avantageuse parce que j'en ai eu pour quand même... Ouais, presque 50 € de livres. Les enfants maintenant ils veulent lire des BD. Moi d'un côté je suis contente, mais c'est un investissement quand même, hein. C'est pas donné les BD. Donc je pense que je vais les inscrire, enfin qu'un seul enfant je vais inscrire à la box Pandore. Au moins 30 € tous les mois, ça vaut le coup s'ils veulent se faire une collection de livres. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai filmée dernièrement. Regardez cette vidéo, dites moi ce que vous en pensez. Mais moi je pense que c'est avantageux de s'inscrire dans une box au lieu d'acheter tous les mois pour 60 €, 50 € de livres, quoi. Voilà, voilà. Re les filles, j'espère que ça va. Donc là, vous avez regardé la première partie du haul action. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, maintenant, dans mes vidéos, quand je reçois des produits gratuitement via les plateformes, je les insère dans les vidéos haul et vous avez plusieurs parties. C'est pour ça que vous allez me voir avec... une tête différente à chaque fois, mais je pense que c'est mieux comme ça. Et ça fait un peu brouillon, mais c'est pas grave. Au moins vous n'allez pas vous ennuyer parce que les vidéos sont assez longues. Je vais plus faire de vidéos first impression. Je préfère d'abord recevoir le produit, le tester à peu près une semaine et après vous donner mon point de vue, et ensuite je vous donnerai mon point de vue final dans les produits terminés. Car là bientôt il faut que je tourne ma vidéo produits terminés, n'est-ce pas? Ah, mes cheveux, je les ai juste coiffés, c'est pour ça qu'ils sont assez gonflés. Là devant j'ai fait un petit brushing. Voilà, voilà. Je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires sur ma coiffure, car j'ai eu plein de commentaires. J'ai dû répondre à 90% de vos commentaires, car là tous les jours je reçois encore des commentaires, donc j'attends un peu, après je réponds. Et surtout avec les lentilles bleues, non les gris bleu, vous m'avez dit que je ressemblais trop à Nolwenn Leroy et j'ai eu plein de messages. Franchement ça m'a fait plaisir, en plus elle est très très belle cette chanteuse. Et c'est à notre période Star Academy, hein, je la connais bien. Et franchement merci beaucoup, merci infiniment. Et je continuerai à répondre à vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Donc par contre voilà, les lentilles c'était vraiment pour vous montrer. Et avec le code BELMA10 vous avez moins 10 € sur le site avec ce code. Je l'écris juste là, je l'ai écrit aussi sur Instagram et Facebook. Bon bref, sinon merci beaucoup. Et je suis très contente de ma coiffure. Donc voilà pour ça, je voulais pas oublier. Sinon avant qu'on passe avec Octoly, le produit charbon, on l'a testé hier avec mon mari, franchement ça enlève super bien les impuretés. Franchement je vous le recommande, par contre on a laissé un peu trop longtemps. Du coup mon mari était tout rouge ici, donc ça nous aidait, enfin ça m'est déjà arrivé, donc j'ai pas paniqué, le pauvre lui il a paniqué. Je lui ai dit t'inquiète pas, ça va partir, et au bout d'une heure c'est vrai c'était parti. Parce qu'on avait mis une grosse couche de produit, mais franchement quand je l'ai enlevé tout est dégueulasse. Sinon ça arrache pas les poils, hein. Mais ça...
prend vraiment les impuretés. Donc pour 1,98€, je crois, voilà, je le recommande. C'est le produit avec charbon et vous avez une petite spatule qui va avec. Donc voilà, c'est ce produit, il est au top. Ensuite, j'ai reçu de la marque Yves Rocher un lot de kits pour sourcils. Donc celui-ci, c'est vraiment un réel coup de cœur. Donc moi, j'ai pris la couleur numéro 3, le brun le plus foncé. Donc là, vous avez la partie où vous pouvez brosser le sourcil. Et ici, c'est le crayon. Donc je l'ai vraiment entamé. Donc, hop, faut bien tourner. Voilà, j'aime beaucoup ce style de crayon car je l'ai déjà utilisé d'une autre marque. Et là avec Yves Rocher, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi. Accompagné de son mascara sourcils, voilà, voilà. Là, la brosse à sourcils, voilà, voilà. Donc je vous conseille ces deux produits, il est au top. Regardez la couleur, moi j'ai beaucoup aimé, donc merci beaucoup pour ça Yves Rocher et Octoly. Juste pour info, j'ai pris presque 6 kilos. Donc là, je ne me suis pas rendu compte depuis des semaines, mais là, en me filmant, c'est vrai que j'ai pris des joues. Donc je commence mon régime dès maintenant. Alors, ensuite, j'ai reçu une palette qui se présente comme ceci. Désolée, elle est vraiment très très sale parce que je l'ai vraiment testée avant de vous en parler. De la marque Yves Rocher, donc je vous montre les teintes. Alors, vous avez du mat jusqu'au irisé, couleur foncée et assez claire. Donc les couleurs foncées ont une très très bonne pigmentation. Les couleurs claires ont une moyenne pigmentation. Et les couleurs claires mat ont une bonne pigmentation. Donc je vais vous faire un swatch. J'ai pris un pinceau. Par exemple, je vais swatcher celui-ci. Voilà. Faire le swatch comme ça. Voilà. Par contre, vous avez énormément de chutes. C'est un peu dommage. Donc là, je vais effacer mon pinceau. Je vais venir prendre cette teinte. Et on va venir faire le swatch juste à côté. Voilà. Donc c'est pas une pigmentation de dingue. Je suis un peu déçue pour le prix surtout. Aujourd'hui je suis maquillée avec. Donc les couleurs mat foncées ont une bonne pigmentation. Mais le reste, j'avais fait sur mon bras mais tout est parti. Voilà. Je suis un peu dégoûtée, j'ai voulu vous faire... Enfin, en fait, je vous ai fait toute la palette. Donc, pour vous dire, la couleur... Enfin, les couleurs sont belles, mais la tenue est bof, bof. Hein. Voilà, je vais être honnête avec vous. C'est une palette assez simple. Donc, voilà mon avis pour la palette Yves Rocher. Donc, merci à Yves Rocher, car j'ai pu la tester. Mais voilà, c'est pas une de mes préférées. Donc voilà pour ça, j'ai enlevé mon vernis parce que je vais venir mettre ce vernis. Donc c'est de la marque L'Effronté, pour celles qui savent sortir les griffes. Vernis à ongles, donc je ne connais pas cette marque. Voilà, voilà, dites-moi si vous connaissez cette marque, mais moi je ne connais pas. Donc ils nous disent de mettre une base, ensuite mettre deux fines couches et ensuite un top coat pour garder plus longtemps le vernis. Donc voilà, le vernis il est tout simple et le pinceau il est assez fin. Alors que dire de ce vernis, je l'ai beaucoup aimé grâce au top coat, c'est vrai que ça a duré plus longtemps, donc je vous ferai la démo juste après. Alors donc là on va venir appliquer le vernis à ongles, donc ça j'avais acheté chez Sephora pendant les soldes d'été, donc il est super pratique. Normalement il faut mettre une base parce qu'après voilà, regardez, ça devient jaune, mais là ma base je ne sais pas où elle est. Regardez-moi ce rouge, il est trop beau. Donc voilà la première couche. Franchement, ça fait très madame, n'est-ce pas ?
Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc là, je continue la vidéo du haul Action. Aujourd'hui, nous sommes partis chez Action avec les enfants, vu que c'est les vacances scolaires et ils avaient envie de faire des achats. Donc Clara, tu vas m'amener les produits que tu as achetés. Les produits que Clara a achetés, c'est cette petite commode. Si vous vous souvenez, je lui ai acheté le tabouret. Et t'as quoi d'autre? Ah oui, pour mettre des magazines. Oui. Voilà, et maintenant elle a la petite commode. Elle pourra mettre des élastiques. Qu'est-ce qu'elle a envie? Il était à 5,90€. Donc c'est Clara qui se l'a acheté elle-même. Ensuite, elle s'est prise ce petit plateau pour sa chambre. Il était à 1,98€. Donc tu voulais poser des élastiques. C'est ça dessus? Ouais. Voilà, ensuite tu t'es acheté quoi? Oui, une tirelire pour 89 centimes. Voilà, et elle s'est acheté une autre tirelire avec la clé qui est dessus. Donc là, elle s'est dit qu'elle allait mettre les petits billets et dans l'autre la monnaie. Donc celui-ci aussi est à 88 centimes ou 98, il était à moins d'un euro. Ensuite, elle est partie chez Adidas. Tu montes ton haut que tu as acheté? Elle s'est acheté un petit haut, vu que au Action de Clissouillet, juste à côté, vous avez Adidas Outlet. Voilà, elle s'est pris ce petit haut Adidas. Voilà. Donc, le prix de base est à 22,95€. Elle a payé 10,47€. Voilà, voilà. Marie qui voulait encore des outils de chez Action. Donc, celui-ci, il était à 3,95€. Donc, c'est une pince. Donc, juste pour info, les tournevis que j'ai... Enfin, ouais, ces tournevis que j'ai acheté la dernière fois, ils sont superbes. Donc là, il m'a demandé si je pouvais le acheter petit à petit. Je sais pas si il était à, je sais pas à combien, 2,49€ je pense. C'est une pince. Voilà. Prix des bandes auto-grippantes. Ils étaient à 79 centimes l'unité. J'en ai acheté 4. 3,16€. Donc ça, alors pourquoi j'ai acheté ça? En fait, c'est pour les étiquettes de Maïlis. Clara, tu m'emmènes deux pictogrammes, s'il te plaît. On va montrer aux abonnés. Elles sont un truc. Non, amène-moi une étiquette. Voilà, j'en ai acheté 4. Donc, j'étais trop contente quand j'ai trouvé ça. Parce que j'ai regardé sur un des sites. La bande était super chère. Donc là, c'est en rond. Franchement, c'est nickel. Alors, ça se présente comme ceci. Donc là, c'est en dessous. Et là, c'est au-dessus. Voilà, c'est les petits scratchs là. Vous voyez. Donc, Maïlis, elle utilise les pictogrammes. Donc là, c'est marqué manger. Voilà, et derrière, vous avez déjà un petit... je ne sais même pas comment ça s'appelle ces trucs, une bande... voilà. Donc, on va recommencer la scène du coup. Donc là, ils ont mis ça, d'accord. C'est trop bien. Donc ça, il est comme ça, j'ai accroché. Et là, par exemple, je vais l'accrocher. Il faut que je l'accroche dans... Je vais lui faire un tableau. Par exemple, je vais l'accrocher dans ma main. Voilà, et hop, après... Voilà, ça s'accroche. Et hop. Et hop. Et avec Maëlys, on communique avec des pictogrammes, en fait. Mais je dois lui fabriquer un très, très grand panneau avec l'emploi du temps... pour qu'on puisse mieux communiquer parce que son classeur est assez petit. Et quand j'ai vu ça, purée, trop contente. Du coup, j'ai acheté 4 paquets. J'aurais dû acheter plusieurs paquets. Mais bon, on verra. 4 paquets, c'est déjà bien. Donc, voilà pour ça. Et j'ai pris ça, c'est anti-dérapant. Ouais, anti-dessus de meubles. Voilà, c'est les dessus de meubles. Il était à... 75 centimes, je pense, ou 50, 58 centimes. En tout cas, il était moins cher, il était à 58 centimes. Dites-moi. Ouais, 59 centimes. Donc, la pince a été à 2,09€ et non 2,49€. Là, cette pince. Voilà. Et j'ai une autre pince, elle est à 2,49€. C'est cette pince qui coûte 2,49€. Voilà, j'ai acheté ça pour mon mari. Pour couper les fils, les câbles. Donc, voilà pour les outils et... les adhésifs. Ensuite, j'ai trouvé les Reese. Ils étaient à 89 centimes. Alors, la dernière fois, j'ai trouvé ça chez Cora pour 2,50€. Voilà, donc là, 89 centimes. On s'en est pris deux.
Avec Clara, on adore ça. Ça fait grossir, certes, mais voilà, 89 centimes, on n'allait pas dire non. Housse de couette emoji pour Clara, 11,95 €. Donc, je sais pas, ça donne quoi les housses de couette de chez Action. Voilà, vous avez la housse de couette et le tel oreiller. Par contre, c'est grand, hein, c'est 140 × 200. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, pour moins de 12 €, on va tester housse de couette. Donc, mon rouge à lèvres, c'est Huda Beauty. Ça fait, depuis l'année dernière, je ne l'ai pas porté, ça fait flash. L'habitude de porter des rouges à lèvres foncés comme ça. Bon, bref, alors donc là je ouvre devant vous. Donc pour le coussin, regarde Clara, voilà. Il va aller directement au lavage. Voilà, et pour la housse de couette, comme je dis à Clara, c'est un 140, on va être obligé de changer ta couverture. Je vais voir dans quoi je vais pouvoir mettre. Ah, il est trop beau. Ah non, ça va aller, je pense. 140. Moi, je pensais que c'était un 90. Ah non. Gabi, mais la prochaine fois, tu pourras acheter le caca. La crotte. Qu'on ira chez Action. Tu veux? Ok. Parce que Gabi, il avait une couverture aussi. Ils sont petits, leur couverture. Et il s'est dit, on va pas changer de couverture. Mais en fait, non. Nickel. Donc ça, on va laver et on va... on va le tester et je vous mettrai une photo si vous voulez. Voilà. Donc pour 12 €. Voilà, voilà. Ouais, on va mettre au lavage. Et moi, pour moi, du coup, j'ai acheté cette housse. Ils étaient en promo cette semaine. Le mien était à combien? Il était à 10,95 €. Voilà. Donc c'est marqué Hello. Donc on va l'ouvrir aussi. C'est les promos de la semaine. Donc vous avez deux thés d'oreiller. Donc c'est écrit Hello. Voilà. Par contre, la qualité, c'est pas une qualité de dingue. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Hein. Ça se voit que c'est super fin. Mais pour 10 €, voilà. Hein. Et là, vous avez. Ouais, le mien il est grand. Et c'est écrit Hello. My dreams. Voilà, donc là on voit rien, mais j'essaierai de vous mettre aussi une photo. Je vais les laver de suite. Voilà, voilà pour ça. Merci assistante Clara. Alors on vient de enfiler le couvre-lit. Alors juste pour info, on voit à travers vu que le tissu il est très très fin, mais ça fait joli. Donc on va vous montrer les deux côtés. Donc premier côté, c'est la licorne avec écrit Flower Your Dream. Voilà, donc ça c'est sa peluche licorne. Donc là on va vous montrer de l'autre côté. Tadam! Voici de l'autre côté qui est tout à fait mignon aussi, j'aime beaucoup. Donc là on voit moins à travers car il y a beaucoup d'images. Et juste pour info, hier chez Leclerc, Clara s'est trouvé ses petits chaussons pour 7,95 € au lieu de 9,95 €. Et c'est super pratique. T'aimes bien Clara? J'adore. Elle adore, c'est tout doux. Donc voilà, bisous bisous. Donc voilà, ça donne ça pour la parure de lit Action pour 10 € et cake. Bon, elle est en promo, hein, c'était la semaine de la promo. Donc elle n'est pas très très top, donc j'ai lavé et je l'ai mis au sèche-linge. C'est pour ça que c'est froissé. Par contre, moi je ne repasse jamais les draps parce que je me dis le soir on va dormir, on va les froisser. Donc je ne perds pas de temps sur ça. Mais sinon, c'était juste pour vous montrer. Par contre, la qualité elle n'est pas top top top. Mieux investir dans des draps de bonne qualité parce que là... ça va pas faire 6 mois peut-être, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer et pour voir la qualité de chez Action. Juste un petit défaut, regardez, le Hello est coupé ici, voilà. Donc c'est un peu bête, mais bon, pour 10 €, voilà, on peut avoir que ça. Voilà, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Lenor pour 3,39 €, voilà, c'est 56 lavages, c'est le pack XL, ils sont bons pour 3,39 €, j'allais pas dire non.
Ensuite, on a acheté des bottes pour Maëlys pour 5,42€. J'espère que ça va lui aller, car le lundi, elle part à la ferme avec l'hôpital de jour. Donc, je me suis dit que j'allais lui mettre des bottes, parce que là encore, ça va, il n'a pas plu. Voilà, donc on va essayer. Si ça lui va pas, j'irai changer, mais je pense que si. Hein. C'est taille 29, j'ai pris, mais il m'a l'air très très grand. Et ces bottes, dans les autres points de vente, sont assez chères. Donc là, pour 5,42€, encore, ça va. Donc voilà pour Action, c'est tout. C'est déjà bien. Ensuite, demande Toddy. J'ai reçu chez AliExpress, j'avais commandé un Toddy pour Maëlys. On a le grand Toddy. Donc ça, c'est le dessin animé préféré de Maëlys. C'est Yo, Gaba, Gaba, Yo. Et à l'intérieur, vous avez tous les personnages. Et c'est que sur AliExpress que j'arrive à trouver les peluches. Il m'en manque plus qu'un, c'est Pex, Plex, ou Pex, je sais plus, Plex. C'est Plex, Plex. Le robot. Ouais, le robot, et du coup, j'arrive pas à trouver le Plex. Donc ça, j'ai commandé sur AliExpress. Je vous mettrai le lien si vous voulez commander des peluches. Franchement, ils sont bien, hein, ils tapent. 3€ et quelques. Vous avez même l'étiquette et tout, là. Très, très bonne qualité. Ils sentent rien du tout, en plus. Ça sent même pas l'usine. Et ça, sur Amazon et autres, c'est hors de prix, à 20€, quoi. Ils sont malades. Donc voilà pour ça, et pour terminer, je regarde si on n'a pas oublié quelque chose. Non. Et pour terminer, j'ai reçu 2 vêtements du site Romwe. Donc cette fois-ci, j'ai été un peu déçue des vêtements choisis. Normalement, ça va les vêtements que je reçois, mais là, cette fois-ci, j'ai pas trop adhéré. Donc le premier, c'est... Normalement, c'est une robe. Voilà, j'essaierai de vous mettre une photo, mais là, réellement, ça donne ça, pour moi, ça fait un peu rideau. En plus, je sais pas, c'est pas trop mon style, je pense, sur la photo, ça rend super bien, c'est trop beau, mais de plus près, voilà, ça donne ça. Voilà, c'est, bof, j'aime pas trop. Donc, c'est la taille M. Mais quand je l'ai porté, j'étais Madame Rideau. Et j'ai reçu la veste. Donc j'ai tout lavé. J'ai lavé tous les vêtements. Hein. Mais je sais pas. C'est pas trop comme sur la photo. Ouais, j'aime pas trop. Parce que quand j'ai lavé tout ça là, c'est... En fait, ça se défroisse pas. Voilà, en plus, avec ça, ça fait pas très beau. Attendez, je vais enlever l'écharpe pour que vous puissiez voir. Ouais, avec le pull, ça fait pas très très bien. Ouais, la veste, non. C'est... Elle est pas moche, hein. Elle est mignonne, mais voilà, c'est... elle est pas faite pour moi. En plus, c'est... j'ai pris taille M, je pense. Hein. M ou L, mais... Voilà, mon mari a rigolé, il m'a posé la question, c'est pour qui cette veste, tu vas pas la mettre? J'ai fait, ben si, mais en fait quand vous la mettez, c'est vrai que, voilà. Pour l'été peut-être c'est bien, mais je sais pas. Je vous mettrai une photo sur la nana, ça lui va super bien, mais sur moi, je sais pas. À mon avis, sur le site Romwe, il faut vraiment être mince, j'ai remarqué. Hein, car j'ai vu des youtubeuses bien minces. Quand elles choisissaient leurs vêtements, ça leur y allait super bien. Mais moi, je mets du taille 40, taille L ou M. Je sais pas, ça fait pas top top sur moi. Par contre, je vais plus demander des vêtements sur le site Romwe en collaboration. Parce que là, je sais pas, je suis pas trop fan de ce site. Je préfère, là, je donne mon point de vue personnel. Je casse personne, mais je préfère aller chez Mango ou Morgane quand vous avez les promos. Au moins c'est de la bonne qualité, même Promode, hein, vous avez de la bonne qualité, et au moins vous connaissez votre taille. Là, à chaque fois je me cours de taille et tout, je comprends rien du tout. Donc là, je pense que voilà, même Chine et Romwe, c'est la dernière fois que je demande une collaboration. Voilà, je préfère que ça soit des youtubeuses bien fines qui commandent ces vêtements, parce que pour moi par rapport à mon corps, voilà, ça m'y va pas vraiment bien, parce que déjà leurs robes sont trop courtes. Quand je demande un haut, la taille, je me gourre tout le temps. Voilà, donc là c'est mon point de vue pour l'instant avec Romwe et Shein. C'est le dernier partenariat que vous verrez sur ma chaîne.
Voilà, c'est bon, ça m'a un peu... Hein. Voilà pour ça. Donc, je vous mettrai les liens si vous voulez. Bon, la moindre des choses, hein, parce que je les ai présentées. Je l'ai eu gratuitement, la moindre des choses. Je vais vous mettre les liens, mais voilà. Voilà, c'est fini pour moi. Voilà les filles, pour le haul action, je m'arrête à là. Si j'ai d'autres haul actions, je vous les mettrai les uns après les autres, comme d'habitude. Je ferai une grosse vidéo, assez longue. Et portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!